Salut à tous, à toutes, c'est Arkezo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Battlefield Heroes, plus précisément sur le nouveau site de PlayBFH Online, donc le projet qu'on a tous connu, qui est en train de se développer énormément et qui montre beaucoup de choses cool, comme par exemple, depuis hier, on peut ajouter des amis à partir du site. Je sais pas si on peut le faire encore, vous pouvez essayer, hein. Je sais pas si on peut le faire à partir du jeu dans le tableau des scores, mais vous pouvez essayer, si ça marche, bah ça marche, et si ça marche pas, je vous suivez cette vidéo. Ce site, c'est l'ancien site, et en bas, il vous dit de rejoindre Rising Hub. Donc voilà, donc allez sur cette URL, et une fois que vous êtes sur cette URL, vous tombez sur ça. Donc un site qui est très prometteur, un site qui ressemble beaucoup à la première version de Battlefield Heroes, tout simplement. En plus amateur, mais très très propre quand même. On reste toujours sur la même base, hein, des droits, machin, mais voilà. Un nouveau nom, Rising Heroes, une nouvelle présentation, un nouveau départ par rapport... Oula, mon coude a glissé. Un nouveau départ par rapport à Revive Heroes. Donc ça annonce du lourd et on peut désormais ajouter ses amis dans une liste d'amis pour pouvoir voir dans quel serveur ils sont et qui s'il est en ligne ou pas. Donc je trouve ça très très cool, c'est vraiment cool, c'est énorme qu'ils aient fait ça. Encore une fois, essayer d'en ajouter dans le jeu, j'ai pas rejoué en fait depuis, mais essayer d'ajouter des gens dans le jeu directement pour voir si ça marche. Donc si ça marche, bah c'est parfait. Donc écoutez, pour envoyer une invite d'amis à un ami tout simplement, allez sur le profil d'un ami, donc vous lui demandez son lien de profil, ou bien vous écrivez directement son pseudo ici, là quand vous êtes dans votre profil, vous mettez slash et le pseudo de la personne, mais quand vous n'avez pas le pseudo du mec, vous lui demandez de vous envoyer son lien. Il va dans profil Heroes et vous lui demandez de vous envoyer ce lien. Donc par exemple là sur Exodus, je tombe sur cette page et à droite ici il y a un petit plus, vous cliquez dessus et ça vous dit que l'invitation a bien été envoyée. Lui va recevoir une petite donc dans sa liste d'amis quand vous êtes dans profil. Il va recevoir une petite phrase ici en dessous, là où l'endroit où j'ai mon curseur, ça va être écrit Arkezo vous demande un ami, accepter ou refuser. Vous acceptez ou refusez, vous êtes comme vous voulez. Et quand vous avez beaucoup de demandes d'amis, vous avez un bouton accepter tous ou refuser tous. Donc c'est vraiment très pratique, c'est une nouveauté nouvelle. Et je vous invite à l'utiliser parce que c'est fun, c'est fun d'ajouter ses amis. Non, sérieusement, on peut enfin ajouter ses amis, profitez-en. Et si ça marche, bah c'est tout bénef et c'est nickel quoi. Rejouez à Battlefield Heroes, c'est le nouveau départ les gars. C'est le moment. Et par rapport au serveur, ici on peut voir les serveurs et il y a déjà beaucoup de serveurs par rapport au début où il y en avait 4-5, il y en avait un rempli, voire deux remplis. Là regardez, on peut voir qu'il y en a au moins, il y en a presque 5 remplis, voire 6. Et on est le dimanche, on est 18h20 du dimanche, voilà. Donc c'est un nouveau départ, c'est très cool les gars. Et il y a toujours le serveur de Dacop, hein, le dev qui nous a ouvert un serveur, un ancien serveur du coup, et qui a lancé son serveur là-dedans. Donc écoutez, moi je vous invite tous à rejouer avec nous, ajoutez-moi, je mets mon lien de profil dans la description, ajoutez-moi, rejoignez mon Discord, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, c'est super cool, ça me fait super plaisir, et moi je vous dis à la prochaine dans le jeu les gars, allez ciao.